Bonjour les frères et bienvenue sur ce bar. Si vous avez regardé la vidéo précédente, vous savez déjà ce de quoi nous allons parler ici. C'est extraordinaire. Regardez l'écran s'il vous plaît. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qui est à l'origine de ce genre de choses? Hein? Que vous voyez comme frères et sœurs? Juste en dessous, sur l'écran, on voit une femme. Elle est jolie. Elle a même de longs cheveux avec la queue de poisson. Est-ce que c'est de la blague? Est-ce que Dieu a créé un humain pour la positionner dans l'eau au point où cet humain-là est la queue de poisson? Si vous ne savez pas, mes frères et sœurs, vous devez savoir qu'il y a un truc. Regardez de l'autre côté là-bas. Waouh! Voyez-vous? Que voyez-vous, les frères et sœurs? Dans l'image numéro 2 qui se trouve là-bas, on voit tout simplement un homme qui a capturé une sirène. Et comme vous pouvez voir, ses deux jambes se trouvent dans de l'eau. Et il sort carrément. Elle aussi, il me semble qu'elle est affectionnée, elle commence à l'aimer. C'est pourquoi elle a mis sa main sur sa poitrine. Pour dire, oh, tu es mon sauveur. Mais frère, ça, c'est de la blague. C'est ce qu'on nous montre la plupart du temps à la télévision et à nous montre le monde. Mais c'est de la blague. Les sirènes sont des démons qui sont tombés du ciel. Et ces démons-là se trouvent dans l'eau, petits déguisés comme ça. Oh, en jolie femme. Ce sont des choses terribles qui existent. Si on vous en parle, vous avez l'impression que c'est de la blague. Si on vous raconte ces choses, vous avez l'impression que c'est de la blague. Mais ce qui va suivre, c'est un témoin puissant. Et vous-même, vous savez que si on se rend compte pas un témoin puissant, ça ne rigole pas. Ce que nous allons découvrir, c'est hors du commun. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche. Et en cliquant sur ce bon, vous pouvez voir sur la page d'accueil. Abonnez-vous sur nos trois autres chaînes. Nyanskou Bon 2, Nyanskou Bon 3 et Nyanks TV. De nouvelles vidéos sont disponibles. Nous sommes en train de tout faire, nous sommes en train de tout mettre en œuvre. Pour dire aux humains, aux gens du monde qui sont en danger et qui doivent se réveiller et chercher le Seigneur Jésus-Christ, la solution à tous nos problèmes. Mes frères et sœurs, ce témoin que nous allons entendre ici va nous raconter comment un homme a eu des problèmes juste parce que ses parents ont touché à quelque chose qu'ils ne devaient pas toucher. Dans la vidéo précédente, on a dit quelques mots, mais ici, lui-même sera là pour nous raconter son témoignage. C'est un témoignage terrible. Et puisque ça parlera des démons, je pense qu'il est très important qu'on prie et qu'on demande à Dieu de nous soutenir. Que Dieu vienne aujourd'hui, que Dieu vienne aujourd'hui nous protéger, protéger nos enfants, protéger nos familles, même toute l'équipe Nyanskou. Prions ensemble, frères et sœurs. Les yeux fermés, disons tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ. Ô éternel Dieu vivant, viens nous soutenir, viens nous accompagner par ton bon esprit, viens nous donner l'esprit de discernement, afin que tout ce que nous serons en train de faire ici soit bien analysé, afin que nous ne puissions pas tomber dans les problèmes. Nous avons vraiment besoin que tu sois là pour nous révéler si même ce témoignage est vrai ou pas. Viens Seigneur nous apporter ta connaissance. Viens Seigneur nous donner ce qu'il faut. Ce qu'il faut pour bien comprendre ces histoires. Nous savons que nous sommes dans un monde compliqué. Et dans ce monde, il y a tas de choses hors du commun. On nous dit même qu'il y a plus de démons sur la terre que nulle part ailleurs. Seigneur notre Dieu, viens nous révéler ce que nous devons découvrir pour sauver notre âme. S'il y a bien quelque chose dans ce témoignage qui nous concerne, s'il te plaît, rappelle-nous tous ces genres de choses afin que nous puissions tout simplement nous en débarrasser, afin que les liens qui nous lient au démon soient brisés. Nous voulons que tu fasses quelque chose dans notre vie. Nous voulons que tu fasses quelque chose dans notre vie. S'il te plaît, Seigneur Jésus-Christ, viens nous aider. Que ton sang nous purifie. Tu es notre seul sauveur. Que toi-même tu nous accompagnes. Toi qui es un bon guide. Maintenant que le témoin puissant va commencer, viens couvrir chaque abonné de ton esprit, ta force, ta puissance, ainsi que la famille, et que toute attaque des démons
soit sans effet au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de ce que tu nous exhortes toujours et tu fais des grandes choses pour nous. Amen. Abraissez mes frères et sœurs. Abraissez mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Le témoin puisse avoir fait commencer mes frères et sœurs. Comptez jusqu'à 3. 1, 2 et 3. C'est parti. Le royaume sous-marin. Bien-aimé, après mon retour à la vie par l'intervention de Jésus, ma mère est arrivée dans la ville, et les gens lui racontèrent ce qui s'était passé, et elles me ramenèrent dans la capitale. Mais ma mère avait la mémoire courte, elle ne pouvait même pas imaginer que sa visite chez le charlatan était la base de ma mort et qu'elle a commis une erreur fondamentale et coûteuse en visitant le charlatan. Là, elle était de nous expliquer que lui, à un moment donné, il était mort. Et ce qui a été à la base de son décès, là, ce n'était rien d'autre que la visite de sa mère chez un homme mystique. C'est-à-dire que c'était la plus grande erreur de sa vie. C'est peut-être l'une des erreurs que toi tu as commises. C'est pourquoi aujourd'hui, toi tu te trouves dans les problèmes. Tu ne sais même pas comment faire pour en sortir. Cet homme là-bas, il ne sait pas que cette femme qui tient dans la main est un démon. Lui, il s'est dit qu'il allait sauver quelqu'un. Mais la personne que tu allais sauver, là, c'est un démon lui-même qui t'attendait. C'était un piège. Voici des pièges de ce monde. Les médiums, les occultistes, les sorciers, ceux-là même qui invoquent le mort, ceux-là même qui veulent vous permettre de rencontrer les gens qui sont décédés. Faites attention de ne pas tomber dans de tels pièges. Faites très attention, mes frères et sœurs. Sinon, vous serez dans les problèmes. Sachez que s'il y a bien une personne qui vient vous dire d'aller voir un féticheur, un médium, tout ça, sachez que cette personne, c'est l'ennemi de votre vie et de votre éternité. Car ma mort ne fut que le début d'une série de phénomènes dramatiques et paranormaux qui avaient pour finalité la destruction de ma vie. À l'âge de 17 ans, je fus diagnostiqué du paludisme cérébral. Mais en réalité, ma maladie était une attaque démoniaque, bien que le docteur l'ont appelé paludisme cérébral. En tant qu'enfant de Dieu, nous devrions apprendre à voir les choses dans un autre angle. Je veux dire avec les yeux spirituels, car nous ne sommes plus des hommes naturels ou ordinaires. Nous devrions apprendre à dépasser la compréhension scientifique. Nous avons donc besoin de discernement. Nous ne devons pas tout accepter sous prétexte que c'est la volonté de Dieu. La plupart du temps que les choses arrivent aux gens, ils sont là. Oh! Tout ce que Dieu fait est bon. Ce n'est pas tout ce qui se passe dans ce monde-là qui vient de Dieu. C'est ce qu'il est en train de bien nous expliquer. Il nous dit que quand vous êtes chrétien, vous devez apprendre à voir les choses avec l'esprit. C'est-à-dire voir les choses différemment. Toi, tu vois une femme comme ça qui est déguisée là. Toi, si tu as les yeux physiques, tu vas te dire, oh, c'est juste pour faire le bezou, impressionner les gens qu'elle s'est habillée comme ça. Mais ceux qui ont les yeux spirituels, ils verront que c'est un esprit qui lui a donné cette idée-là pour pouvoir porter ce vêtement juste pour le représenter. Et ici, elle est tentée de représenter une sirène sans le savoir. C'est pourquoi on dit, parfois les gens sont possédés sans le savoir. Et tout ce qui se tombe en train de dire ici est à prendre en compte. Écoutez-le très bien maintenant. Écoutons-le. En réalité, j'étais sous l'oppression du monde de Satan. Personne ne pouvait le savoir. Quelques jours plus tard, je fus hospitalisé. Je me rappelle, j'étais endormi à l'hôpital la nuit lorsque j'ai entendu la porte s'ouvrir d'elle-même. J'étais toujours sous l'influence des médicaments, mais j'ai réussi à ouvrir les yeux afin de voir ce qui se passait. C'est alors que j'ai vu comme un homme vêtu en noir entrant dans ma chambre. Il entrait en me donnant son dos, puis il appela mon nom. Lorsque je lui ai répondu, il me dit « Je suis votre protecteur, et je suis aussi votre médecin ». Je lui répondis par réflexe « Comment pouvez-vous être mon médecin alors que vous êtes habillé en vêtements noirs ?» Vous devriez être habillé en blanc. Alors je lui demanda de se retourner puisque je ne pouvais pas voir son visage du fait qu'il m'avait tourné le dos. Je lui ai dit, je veux voir votre visage ou je veux crier au secours et appeler de l'aide. Lorsque cet individu inconnu se retourna, j'ai remarqué qu'il n'avait pas des yeux ou des oreilles. Il n'avait pas non plus le nez ou la bouche. En fait, il n'avait pas un visage. Il m'avertit de ne pas crier. Il me dit, si vous osez crier, je vais vous tuer. Je ne sais pas comment il pouvait parler alors qu'il n'avait même pas de bouche. Alors cette entité souffla sur moi. Dès qu'il a soufflé sur moi, j'ai perdu conscience, je suis devenu fou. Et j'ai commencé à raconter de bêtises. Je suis sorti de l'hôpital en courant dans les rues de la ville. Je parlais dans le vide et je courais partout.
Je suis devenu un fou incontrôlable. Les gens pensaient que c'était le paludisme cérébral comme le docteur l'avait annoncé à la famille. Ils ne comprenaient pas que j'étais attaqué par le royaume des ténèbres. Pendant ce temps, ma maman pleurait et se lamentait de ma situation alors que je sillonnais la ville avec de vêtements sales. Plus tard, ma famille a réussi à mettre la main sur moi. Ils m'ont enchaîné et ils m'ont ramené à la maison. Alors ma mère a commencé à aller ici et là pour chercher une solution. Mon histoire est semblable à celui de Joseph qui était combattu à cause de son étoile. Mes problèmes ont commencé quand le monde du diable a détecté mon étoile qui brillait trop fortement dans la dimension invisible. Je fus enchaîné parce que j'étais devenu un danger public. Ma mère se posait des questions concernant l'origine de ma folie. Elle pensait qu'elle était le résultat du paludisme cérébral. Mais moi je savais que c'était l'entité sans visage qui m'apparut à l'hôpital qui était responsable de ma situation. Gloire soit rendue au Seigneur car mon grand-père était un chrétien né de nouveau. Il m'amena à l'église de Réveil de Feu Paco. Le pasteur était un protégé de l'évangéliste Osborne. Il pria pour moi et l'esprit de la folie me quitta et je fus guéri au nom de Jésus-Christ. Après ma délivrance de la folie, je suis devenu membre de l'église pentecôtiste de Feu Paco. Je chantais dans le choral, mais je n'étais pas né de nouveau comme beaucoup de gens qui vont à l'église mais ne sont pas nés de nouveau. J'étais trop jeune à cette époque. À l'âge de 20 ans, j'avais trouvé du travail dans une boîte de nuit dans le centre-ville, mais tout ceci était arrangé dans le royaume de Satan qui surveillait ma vie et me contrôlait. En effet, depuis le jour où ma mère visita le charlatan, elle avait ouvert la porte au monde de Satan contrôler la vie de ses enfants. Pendant toutes ces années, ma vie était surveillée dans le royaume sous-marin à travers un miroir magique. Ils avaient déjà décidé que je serais leur serviteur. Grâce à la visite de ma maman chez le féticheur, ils avaient le droit légal sur ma vie. Un jour, alors que je travaillais dans cette boîte de nuit, je surveillais la porte comme d'habitude. Alors j'ai vu une très belle femme. Elle avait beaucoup de cheveux, elle avait la taille d'une modèle. J'étais enchanté, captivé et ébloui par sa beauté. Je lui dis, « Mademoiselle, vous n'êtes pas supposée venir dans ce genre d'endroit. Que faites-vous donc dans un endroit pareil? Ça ne vous convient pas d'être ici ?» À ma stupéfaction, la belle dame me dit, « Chérie, je suis venue ici particulièrement pour vous. » Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. C'était trop bon pour moi. Bien-aimée, cette très belle femme était une sirène des eaux envoyée par le monde de ténèbres précisément pour moi. Je ne pouvais pas le réaliser. On se convenu de trouver un endroit pour vivre ensemble. Nous avons donc commencé à vivre ensemble. Chaque fois qu'on faisait des sorties, les gens étaient émerveillés par sa beauté. J'étais fière de moi, mais j'étais ensorcelée. Enchantée et sous ses sorts sans le savoir. Un jour je devais visiter ma mère et je cherchais mes chaussures. Je cherchais une paire de chaussures correspondant à la couleur de mon costume puisque j'ai l'habitude de m'habiller en mode. Alors que j'ai cherché sous le lit, j'ai remarqué un produit démaquillant et une bouteille d'eau contenant une poisson à l'intérieur. J'étais surpris. Je savais que je n'ai pas mis ces choses là-bas. Dès que j'ai pris la bouteille d'eau contenant le poisson, la bouteille se colla à ma main. J'étais comme électrocutée. Je vibrais et tremblais. J'ai commencé à crier au secours, je me battais pour retirer la bouteille de ma main, mais mes efforts furent sans succès. Alors j'ai entendu une voix en moi me disant de me souvenir du nom que je chantais quand j'étais membre du choral du ministère de Feu Paco. En effet, après ma guérison de la folie, bien que j'étais un enfant et bien que je ne sois pas né de nouveau, j'allais régulièrement à l'église, alors j'ai entendu la voix me dire d'utiliser le nom de Jésus-Christ contre la bouteille qui était collée sur ma main, quand j'ai invoqué le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La bouteille se détacha de ma main et tomba sur le sol. J'ai essayé sans succès d'ouvrir la bouteille, puis j'ai pris un marteau et j'ai tenté de casser la bouteille, mais cette bouteille résistait même au marteau. À plusieurs reprises j'ai tenté de briser cette bouteille avec le marteau mais sans succès. Je ne pouvais pas comprendre. J'étais choqué de constater que cette bouteille en verre résistait à un marteau de fer. Alors que j'utilisais le marteau contre la bouteille, le poisson dans la bouteille faisait des mouvements, et puis soudainement et de mes propres yeux j'ai vu ma copine entrer dans la maison au travers du mur. Elle a franchi le mur de notre chambre. J'étais choqué. Je me suis dit je dois avoir affaire à une femme utilisant des charmes et de la superstition pour me dominer et me contrôler. Je ne pouvais pas me rendre compte que j'avais affaire à une sirène des eaux. Cette femme était une sirène du royaume des ténèbres venue physiquement sur la terre rien que pour moi. Elle est venue dans ma vie avec une mission spécifique. Quand la sirène a traversé le mur, elle m'a dit de lui donner la bouteille. Je pensais qu'elle était juste une femme ordinaire utilisant le charme et la sortilège. Je lui ai donc répondu « Je ne vais pas vous donner la bouteille ». Je lui ai dit « Vous devez savoir que je suis un maître dans les arts martiaux. Si vous osez je vais vous tabasser aujourd'hui sévèrement ». Je lui dis « Comment pouvez-vous utiliser le charme et la sortilège pour m'envoûter et me contrôler ?» Chers frères et sœurs, j'étais sur le point de frapper cette femme quand soudainement elle souffla sur moi.
et comme résultat je m'effondra sur le sol. C'était un vendredi soir quand je me suis effondré dans le coma, mais quand je me suis réveillé de ce coma je me suis rendu compte que c'était dimanche matin. Mais alors que j'étais dans le coma pendant 2 jours quelque chose se passa. C'était comme dans un rêve, mais ce n'était pas un rêve. Je veux vous avertir chrétien de ne pas négliger le rêve. En fait quand j'étais dans le coma, la sirène m'a transporté dans la civilisation sous-marin. Je me suis vu en train de fêter, nous étions en train de manger de la viande et boire du vin rouge qui était en réalité du sang humain. Et il y avait comme une célébration de mariage pour moi. Ils ont mis une bague sur mon doigt et un bracelet sur ma main. Pendant cette fête de mariage sous la mer j'étais entouré de gens qui étaient moitié humains et moitié poissons. Puis je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé dimanche matin, j'ai remarqué que j'étais nu, j'ai vu la sirène debout et nue devant moi, elle tenait une assiette contenant de la viande grillée. Elle me dit, « Joseph, vous allez manger ces viandes une par une. » Avant de me donner la viande elle les introduisait une à une dans sa partie privée. Puis elle me le donnait, j'étais comme contrôlé par la sirène. Je savais maintenant que j'avais affaire à une femme qui n'était pas ordinaire. Je faisais tout ce qu'elle me demandait. J'ai donc mangé ces viandes qui étaient de la viande humaine. Bien que je t'ai envoûté j'avais un certain degré de liberté. Alors la sirène me dit, « Je ne vais pas vous faire du mal. En fait, je ferai de vous un grand homme dans ce pays comme je l'ai fait avec beaucoup. » Elle me donna des noms de personnes qu'elle a rendues riches et célèbres dans notre pays mais dont je ne peux pas révéler les noms ici. Mais laissez-moi vous donner un indice. Il y a un pasteur qui se vante du fait qu'il fait les voyages astrales. Il y a un autre musicien qui se fait appeler Shetan qui veut dire Satan en arabe. Après avoir fini de manger la viande, la sirène m'a applaudi et elle me dit, « Joseph, vous venez de manger de la chair humaine. » Je t'ai tellement choqué que j'ai tenté de les vomir mais en vain. Alors la sirène me fit une révélation en me disant, « Joseph, je suis venu dans votre vie parce que depuis votre enfance nous étions en train de surveiller votre vie. Vous étiez sous surveillance au travers d'une miroir magique. » En fait c'était le jour où votre mère est entrée en contact avec le charlatan que tout a commencé. Elle a conclu une alliance avec ce charlatan et ceci nous a ouvert la porte dans votre vie et cela que tout a commencé. Puis la sirène frappa sa main sur le mur. Et soudainement un grand miroir est apparu. J'ai remarqué que cette miroir avait mon nom écrit de part et d'autre. C'était un grand miroir fait exclusivement pour moi. Il y a beaucoup des gens de par le monde qui sont surveillés comme ça dans de miroirs magiques dans le monde des eaux. Puis la sirène me dit, « Joseph, vous étiez surveillé depuis votre enfance parce que vous avez été choisi pour servir notre royaume. » La sirène des eaux me dit ceci, « Joseph, mon père m'a chargé de vous parler de 3 missions que nous avons pour vous. » Le père donc la sirène des eaux fait référence ici et le roi de sa dynastie dans le monde sous-marin. Elle me dit, « Voici votre première mission. Chaque jour sous votre coussin il y aura de l'argent que nous allons mettre à votre disposition que vous allez utiliser. Vous allez coucher avec 10 à 15 femmes chaque jour. Après avoir dormi avec ces femmes avant de laver votre corps je dois d'abord sucer votre corps y compris votre organe génital pour récupérer les odeurs de toutes les femmes qui ont couché avec vous. La sirène devait donc sucer mon corps y compris mon organe génital pour capturer les odeurs de toutes les femmes qui ont couché avec moi. Laissez-moi vous informer que la pratique de sucer l'organe génital de l'homme ou de la femme provient du monde du ténèbres. Il a été importé sur la terre par des satanistes au travers de la pornographie. Cette pratique vient juste d'arriver sur terre mais il a toujours été pratiqué dans le monde de pandémonium. Les hommes qui sont dans l'occultisme ont tendance à dormir avec de nombreuses femmes, et ils sont dans deux pratiques sexuelles étranges. Chaque soir après avoir couché avec plusieurs femmes, à minuit la sirène des eaux suçait mon corps et capturait les odeurs de chaque femme qui ont couché avec moi. Après avoir capturé ces odeurs, elle soufflait ces odeurs qui étaient sous forme des vapeurs dans une capsule. La sirène connaissait les noms et les identités de chaque femme qui avait couché avec moi à travers ces odeurs qui étaient comme des vapeurs. Après avoir capturé ces odeurs, à 3 heures du matin elle voyageait dans le royaume sous-marin et transportait toutes ces odeurs ou vapeurs féminines dans le monde de ténèbres sous la mer. Après avoir atterri dans le monde marine, elle soufflait chaque vapeur ou l'odeur de chaque femme qui a couché avec moi dans plusieurs miroirs respectifs conçus précisément pour chaque femme qui a couché avec moi. À chaque fois qu'elle soufflait la vapeur ou l'odeur d'une femme dans un miroir, elle appelait son nom dans le miroir. Comme résultat les images et la vie de cette femme apparaissaient dans le miroir. La vie de la victime était projetée sur l'écran du miroir magique. Dès que la sirène souffle votre odeur ou vapeur dans le miroir, elle appelle votre nom, vous allez apparaître en direct dans le miroir magique. Que vous soyez en train de dormir ou de travailler ou d'étudier, vos images seront projetées dans l'écran du miroir. Et à côté de vos images il y aura des données et des informations sur votre avenir, votre étoile, vos espoirs et votre destinée.
qui seront affichés dans le miroir mystique. Le diable travaille de cette façon parce qu'il ne connaît pas le futur des gens. Mais une fois que votre image est projetée sur le miroir, les informations et les données, surtout ce que Dieu vous a donné, sont projetées dans le miroir magique conçu pour vous, ayant votre nom, votre identité et votre étoile, et votre destinée sera affichée. Par conséquent, votre vie sera contrôlée, manipulée par le monde de Lucifer pour leur propre intérêt. La sirène connaissait donc l'avenir de ces femmes grâce à la fornication et grâce à ce miroir. Elle pouvait donc lire des données au sujet de leur avenir, leur chance et de leurs étoiles. Mais bien que la sirène pouvait connaître ces détails, elle ne savait pas comment Dieu allait accomplir le destin de ces gens. Le diable peut savoir que votre étoile brillera comme celui de Joseph, mais il ne sait pas comment Dieu va accomplir cela. Le diable peut connaître votre destination, mais il ne sait pas comment vous y arriverez. Sur la base des données et des informations affichées dans le miroir magique, la sirène des eaux et le diable chercheront de bloquer et barrer la route de l'accomplissement de la destinée du destin de Dieu dans votre vie. Beaucoup de gens marchent dans la rue, mais ils sont contrôlés et sont surveillés. Ils ne sont pas libres. Les relations sexuelles en dehors du mariage sont trop dangereuses. Si les données dans votre miroir indiquent que vous allez devenir riche, le diable fera des trous spirituels dans vos poches, où ils vous brûleront la main. Cela signifie que vous allez travailler et vous aurez de l'argent, mais vous n'aurez rien à montrer de concret. Vous aurez un bon salaire, mais vous ne ferez rien avec cela. S'ils voient dans le miroir que vous êtes belle et vous aurez un bon mariage, ils mettront une masque de vieillesse sur votre visage. Tu peux être une belle femme physiquement, mais spirituellement vous êtes déjà vieux à cause du masque de vieillesse sur vous. Et aucun homme ne viendra pour le mariage. Le fait que votre image est apparue dans le miroir magique, cela veut dire que le monde des eaux a le pouvoir et le contrôle de votre vie. Ils peuvent vous infliger toutes sortes de malheurs. Quand j'ai voyagé dans le monde des eaux, j'ai vu le cas d'un homme qui a été infligé d'épilepsie. Le démon de l'épilepsie est un oiseau de couleur noire et blanc. Il est la plupart du temps dans une cage. J'ai vu comment les esprits marins l'ont fait sortir de la cage et ils l'ont soufflé dans le miroir ayant le nom de cet homme. J'ai vu cet oiseau qui est l'esprit de l'épilepsie entrer dans la tête de cet homme qui était la cible. Et par conséquent, il est devenu épileptique sur la terre. L'épilepsie est un signe de contrôle et de manipulation démoniaque. En fait, j'ai vu beaucoup de cages et beaucoup de tiroirs dans le royaume sous-marin. Il y a des gens sur terre avec de maladies chroniques, des maladies cardiaques, des maladies rénales. J'ai vu le cœur des gens dans des cages. J'ai vu le cerveau des personnes vivant sur la terre dans des cages. J'ai vu les organes corporels de gens dans des cages. Ces gens souffrent de maladies chroniques sur la terre parce que leurs organes sont volés ou sacrifiés et mis dans des cages dans le monde de sirène des eaux. Une fois que le monde des eaux peut vous localiser dans leur miroir, ils ont le pouvoir de vous affecter d'une manière ou d'une autre. Puisqu'ils ont l'accès libre, ils peuvent injecter toutes sortes de maladies dans votre vie. Et toute maladie d'origine mystique ne sera jamais résolue par la médecine scientifique. Seulement la prière au nom de Jésus qui peut mettre fin à cette maladie. Beaucoup des gens échouent parce qu'ils sont sous surveillance dans le royaume des ténèbres. Ils vont commencer quelque chose mais ils n'iront pas au bout parce qu'ils sont dans les miroirs magiques dans le monde des eaux. À travers ce miroir, on peut aussi vous choisir un mari ou une femme. On peut aussi envoyer une femme de nuit ou mari de nuit. De ce fait, vous n'allez pas profiter de la vie conjugale. L'une des pratiques que nous faisions aux gens dans le miroir est que nous mettions des sceaux, des signes et marques sur les fronts des gens. Ces marques seront visibles aux occultistes et aux sorcières. Mais l'homme ordinaire ne le verra pas. Vous pourriez être marqué sur votre front comme célibataire pour la vie. Et partout où vous irez dans le monde, les sorciers et les satanistes vont travailler afin que vous restiez dans cet état de célibataire comme c'est écrit sur votre front. Ils vont vous combattre à chaque fois que vous tentez de vous marier parce que c'est écrit célibataire à vie sur votre front. Beaucoup des gens ont des marques, des sceaux écrits sur leur front. Un jour je marchais avec la sirène dans la ville. J'ai vu une belle femme. En fait, je cherchais une victime et je proposa donc cette belle femme à la sirène comme victime. La sirène me dit que cette femme a été déjà tuée dans le monde invisible, donc il faudra chercher celui qui est vivant. En fait, il y avait une date sur le front de cette femme indiquant la date qu'elle devait mourir sur la terre. Beaucoup de gens se promènent dans la rue mais ils sont déjà tués. Vous pouvez voir la date sur leur front avec les yeux spirituels. Il y a aussi des personnes marquées sur leur front chômeurs. Ils ont des diplômes mais ils sont dans le chômage et ils n'obtiendront jamais un emploi. S'ils trouvent un emploi, ils seront licenciés, ils ne garderont pas un emploi pendant longtemps. Bien aimé, la Bible dit dans Colossiens 2 verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Bien aimé, lorsque je suis devenu agent du royaume des eaux, je fus chargé d'attaquer les églises de réveil dans mon pays, le Congo.
parce qu'il y avait un réveil intense au Congo durant cette période, et le royaume des ténèbres était en débandade. Je t'ai instruit à perpétrer la guerre invisible contre les églises et à coordonner les attaques systématiques contre les assemblées locales. Mais d'abord je devais coucher avec la princesse appelée Jacqueline, qui était supposée me transporter sous la mer dans les mondes ténébreux. Et comme ma troisième commission était contre l'église de Jésus-Christ, on m'a confié la mission de détruire une femme qui était chrétienne. La sirène m'a dit que cette femme était remplie de grâce et de capacité divine. C'est pourquoi elle a été identifiée comme une cible potentielle à détruire. La sirène me dit, « Nous allons la tuer et nous allons manger sa chair. Mais comment vais-je exécuter cette mission ?» Je questionna la sirène. Elle me dit, « Ne crains rien car nous avons alloué 450 démons pour vous assister à détruire ce chrétien. Ils travailleront avec vous et vous accompagneront partout. Comme je t'ai établi contre les églises, nous avons donc déployé des démons de rêve dans l'église parmi les sœurs. Le but de ces démons était de causer des rêves déceptives avec des fausses messages, afin de créer la confusion dans l'église locale. On faisait que les chrétiens puissent rêver des rêves contenant des messages trompeurs et déceptifs contre le pasteur, même des rêves de faux mariages entre frères et sœurs. Bien-aimés, quand vous ne vivez pas dans la sainteté, vous pouvez être attaqué et vous finirez par rêver de rêves contenant des messages démoniaques. On cherchait à créer la confusion dans l'église. Mais le Seigneur aussi nous parle par des rêves. Dans le royaume sous-marine, on m'a appris à empêcher les chrétiens de rêver. Normalement, un chrétien né de nouveau est censé rêver des rêves révélationnels, sinon il est aveugle et aveuglé. Même les rois païens dans la Bible comme le Pharaon et le roi Nabucodonosor rêvaient des rêves contenant des messages spécifiques même prophétiques. La deuxième tactique contre le chrétien consistait à le permettre ou les laisser rêver. Mais je leur faisais oublier ce qu'ils ont rêvé la nuit. Le Seigneur Jésus peut te donner un message, mais comme tu oublies toujours le rêve de Dieu qui contient des avertissements ou de messages préventifs, tu finiras par subir les conséquences de ce qui va t'arriver. Parfois vous pouvez même rêver et vous pouvez même vous souvenir. Beaucoup de gens ne finissent pas leurs rêves. L'implication spirituelle est que vous pouvez commencer les choses dans votre vie, mais vous ne finirez jamais ce que vous avez commencé. Beaucoup de destinées de gens sont détournées dans des rêves. Il y a aussi des gens qui ont des rêves répétitifs. C'est une réflexion de leur condition spirituelle. Il y a aussi des gens qui ne rêvent que du passé, des expériences passées, des lieux passés de leur vie. La vérité est que c'est l'esprit de régression, ce qui veut dire votre vie et votre esprit est coincé dans le passé. Donc ma première stratégie contre la sœur était de créer de la confusion dans son église à travers des rêves causés par des démons que nous avons déployés. Plus tard je visita la famille de cette sœur juste pour les flatter, et j'ai parlé à sa mère qui m'a beaucoup aimé car elle espérait que je vais épouser sa fille, mais en réalité j'ai cherché à la détruire. Je t'ai accompagné par 450 démons, y compris la sirène. Après avoir parlé à sa famille, j'ai réservé une chambre à l'hôtel où je devais la détruire à travers le rapport sexuel. Elle m'aimait avec sincérité parce qu'elle ne savait pas que j'étais un faux frère. Beaucoup de gens viennent à l'église non pour prier. Certains d'entre eux sont agents de l'ennemi. J'ai donc réservé l'hôtel. Je savais qu'elle n'allait pas dire non. Elle me faisait confiance. Lorsque le jour J est arrivé, ensemble, nous sommes allés à l'hôtel. La sirène se cachait dans la salle de bain. Elle était dans sa forme hybride moitié poisson. La sœur était inconsciente de la présence de la sirène. La sœur était en pagne mais j'ai remarqué que son attitude a changé. Elle était un peu triste. Je pense qu'elle avait la culpabilité. Puis elle me demanda de lire un verset biblique. Cela ne signifiait rien pour moi. C'était juste un livre. Je suis allée rapidement dans la toilette où était cachée la sirène pour demander son avis. Elle me dit, « Ne crains rien. Laissez-la lire si elle veut, il n'y aura rien. On a plus de 400 démons ici. Qu'elle lise la Bible ou pas, elle va mourir. » Alors cette sœur a ouvert la Bible dans le livre d'Ésaïe 41 verset 10. Je ne sais pas pourquoi Dieu voulait que j'entende les paroles de ce verset. Cette femme ne savait pas qu'elle était à quelques minutes de sa mort. Elle ignorait la présence du sirène des eaux dans la toilette et des centaines de démons autour de l'autel. Elle ouvrit donc sa Bible qui dit « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours car je suis votre Dieu. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelles seront réduits à rien. » Cette sœur ne savait pas pourquoi l'Esprit Saint lui faisait lire ce verset. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit vous incite à lire la Bible, faites-le sans attendre. Dès que cette dame chrétienne se mit à lire ce verset biblique, j'ai entendu la sirène des eaux pousser un cri. Elle me dit, « Joseph, il faut fuir. Cours.
C'était un cri de détresse. Alors j'ai vu la sirène fuir à la vitesse d'une éclair. Je ne savais pas pourquoi elle courait. C'était quand j'ai levé mes yeux vers le ciel que j'ai compris pourquoi la sirène s'est sauvée de cette façon. En fait, j'ai vu des myriades et des myriades de soldats angéliques descendre pour répondre à la lecture du verset de la Bible par cette dame. Ils avaient leur épée levée. La sirène et les 450 démons ont pris fuite. Et je t'ai abandonné là avec la sœur. J'ai pensé que 400 démons étaient beaucoup. Mais quand j'ai vu ces légions de l'armée angélique descendre, je suis sorti de la chambre d'hôtel et je me suis évadé. Les gens travaillant à la réception étaient surpris de me voir dans mon short avec mes vêtements sur mes mains. La dame ne pouvait pas voir tout ceci et elle ne comprenait pas la raison de ma fuite. Elle ignorait que toute une légion angélique allait être déployée par le Seigneur pour elle. Beaucoup de choses se passent quand on prie même si nous ne les voyons pas. J'abandonna la sœur dans cette chambre d'hôtel pour ne plus revenir. Tandis que la sirène et les 450 démons étaient déjà loin de cet endroit, mon voyage vers la civilisation mystérieuse sous la mer. Après avoir échoué dans cette mission qui consistait à tuer cette dame chrétienne, je suis retourné avec la sirène à l'hôtel où nous étions en train de vivre. La sirène me dit, « Joseph, vous échouez dans presque tous les missions et tâches que nous vous confions. De ce fait, mon père a décidé que nous devrions voyager dans notre monde sous la mer, afin que vous puissiez apprendre et être équipé. » Il y a une femme qui est une sorcière de haut rang dans la banlieue de la ville. Elle est responsable d'un serpent qui est un démon. Nous allons la visiter. Et là-bas, vous serez avalé par ce serpent qui va vous vomir sous la mer dans notre royaume sous-marin. Bien aimé, certaines personnes ne croient pas à l'histoire de Jonas. Mais si un serpent pouvait m'avaler pendant 3 jours pour me vomir dans le royaume sous-marin, pourquoi ceci sera difficile à Dieu? Je devais donc voyager dans le monde de sirènes sous-marins pour être équipé et devenir efficace et puissant. La sirène me dit, normalement nous devrions détruire la dame chrétienne l'autre jour, nous devrions réussir à cette mission, car elle était une cible stratégique, cet échec est inacceptable. Cher chrétien, quand le jour où je devais voyager sous la mer est arrivé, la sirène me dit, Joseph, il est midi, tu dois savoir que le midi et le minuit sont des heures stratégiques et opérationnelles pour nous. En fait, c'est à midi et à minuit que nous intensifions nos activités sur Terre, nous versons du sang à midi. Nous causons des accidents de la circulation à midi et nous voyageons sous la mer à midi. Puis la sirène me dit, Joseph, il est midi, vous devez vous déshabiller puisque nous devons voyager. Notre déplacement sera différent des hommes ordinaires. Nous voyageons par téléportation. Après s'être déshabillé comme instruit par la sirène, elle m'a tenu par la main et dit de fermer les yeux. Et en une fraction de seconde nous avons changé de location. Et nous avons atterri dans un buisson à la résidence d'une sorcière de haut rang dans la banlieue de la ville. La sirène et cette sorcière de haut rang m'ont instruit d'entrer dans un tonneau dans lequel il y avait de l'eau. Ils m'ont dit qu'il y avait un serpent énorme à l'intérieur bien que je ne pouvais pas le voir. Quand je plaçais mes pieds dans ce tonneau, j'étais comme paralysé. Tout de suite je me suis retrouvé dans un grand compartiment. Je ne savais pas où j'étais. Il y avait une porte derrière moi. Puis j'ai vu un boa, un serpent énorme et massif. Sa dimension et sa taille étaient mythiques. En réalité, ce serpent était un démon. Elle se dirigeait vers ma direction avec grande vitesse pour m'avaler. Ce serpent démoniaque était si grand que j'étais paralysé par la peur et je tremblais. Mais quelque chose s'était passé quand il était sur le point de m'avaler pour me vomir dans le royaume sous-marin. J'ai remarqué que ce serpent était opposé par une force qui lui empêchait de m'avaler. Il tentait de m'avaler mais il ne pouvait pas. Alors il se mit en colère, et il se roulait sur mon corps, et se mit à me parler. Il me demanda, « Qui êtes-vous ? » J'étais silencieux et surpassé par ce qui m'arrivait. Le serpent me demanda 3 fois. Il me dit « Qui êtes-vous ? » Il était en colère alors il me cogna avec sa tête et instantanément je me suis retrouvé dans le tonneau rempli d'eau sur la terre. J'ai compris que le Seigneur contrôlait tout ce qui m'arrivait. Et il était celui qui empêchait le monstre de m'engloutir. Cette opération avec la sirène et cette sorcière du haut rang était un échec. Mais la sirène était déterminée à me transporter au royaume sous-marin sous la mer. Plusieurs jours plus tard, c'était le mercredi à 3 heures du matin. Elle me demanda de me déshabiller et puis elle a tenu ma main. Et dans une fraction de seconde nous avons atterri à la rive du fleuve Congo. Il était 3 heures du matin dans l'obscurité, mais je pus reconnaître l'endroit. Après avoir atterri à la bordure du fleuve Congo, j'ai remarqué que je n'étais pas seul. Je fus surpris de constater qu'il y avait beaucoup de gens nus comme moi à cette heure de la nuit. Il y avait hommes, femmes et adolescents tout nus au bord du fleuve. On nous donna chacun un vêtement. Je voulais souligner que dans le royaume de ténèbres les femmes sont beaucoup plus puissantes que les hommes. Je connaissais très bien l'endroit où nous étions bien que cet être noir.
et je savais que la voie fluviale n'était pas navigable ici. Alors j'étais surpris lorsque la sirène m'y informa qu'un bateau était supposé émerger ici et nous transporter vers la civilisation sous-marine. Quelques minutes plus tard, nous avons entendu le son d'une navire. J'avais les yeux bien ouverts et curieux. Puis j'ai vu une navire massif beaucoup plus grand que le Titanic, et plus beau que les bateaux dont nous avons sur la Terre. Ce navire sortait de la profondeur du fleuve Congo. C'était si glorieux et magnifique que beaucoup de gens étaient effondrés sur le sol à cause de l'émotion, mais j'étais assez fort pour résister à cette gloire. J'observais cette intelligence non terrestre. Ce navire était technologiquement au-dessus de l'avancée technique et de la civilisation humaine. Je me tenais debout et je regardais ce bateau. Alors j'ai vu trois entités démoniaques qui n'avaient pas de visage sortir du bateau, comme celui que j'ai vu à l'hôpital. Vous vous souvenez que je vous ai parlé d'une créature démoniaque sans visage qui m'a frappé de la folie à l'hôpital. Ces entités démoniaques n'avaient pas de vêtements sur eux. Ils n'avaient pas de bouche, ni de nez, ni des yeux, ni des oreilles. Ils sortaient du navire, et quand ils sont sortis du navire, ils ont déployé un pont atteignant la rive du fleuve. Puis toutes les personnes qui attendaient dans la rive du fleuve furent embarquées. Après que nous étions tous entrés, le bateau submergea profondément le fleuve. Lorsque je suis entré dans ce bateau, je me suis effondré sur le sol. J'étais débordé d'émotions. Alors je me suis mis à observer la technologie non terrestre et supérieure. Le bateau se déplaçait à une vitesse prodigieuse. Les gens étaient émotionnels tout en observant la technologie angélique. Nous étions témoins d'une civilisation avancée et d'une technologie supérieure. Dans ce bateau, il n'y avait pas seulement des Congolais, il y avait des Européens, des Chinois, des Indiens, des Américains et toutes les races de la Terre. L'influence du royaume des ténèbres a atteint les quatre coins de la Terre. Puis après seulement quelques secondes de déplacement, nous avons commencé à voir des villes métropolitaines massives et peuplées. J'ai vu des infrastructures massives, j'ai vu des marchés et des gens vendre et acheter. Ces royaumes et villes étaient bondés et peuplés. On voyageait autour des villes métropolitaines et de nombreuses civilisations avançaient sous la mer. Mais lorsque j'observais la population de ces villes et de ces royaumes, je voyais des êtres humains ordinaires. Puis j'ai vu des gens qui étaient à moitié hommes et à moitié poissons. Après, nous avons finalement atterri dans l'embarquement. Et nous avons tous débarqué. Nous sommes finalement arrivés dans la civilisation sous-marine, un royaume mystérieux. J'avais les yeux ouverts observant cette civilisation supérieure. Comme j'observais de loin, j'ai vu un ancien leader de notre pays. Il était vêtu d'un vêtement sale. En fait, il était comme un serviteur ou un esclave ici. Il est mort il y a plusieurs années. Des gens chantaient pour lui de son vivant. Il était le président de mon pays, mais il n'était qu'un serviteur ici. Il enregistrait des noms les personnes qui arrivaient dans ce royaume. Il tirait le sang des gens avec une seringue. Et par l'échantillon du sang, il connaissait leurs noms et leurs identités. Après cette formalité, nous étions emmenés dans un auditorium. C'est comme s'il y avait une réunion dans ce building. Mais j'ai remarqué l'absence de ma femme la sirène. J'étais toujours touché de voir notre ancien chef de ta servir comme esclave ici. Comme je pensais, soudainement ma femme la sirène était apparue. Elle était ravie de me voir dans son royaume. Elle m'a salué et elle a dit « Joseph, je suis très heureux et excité que vous êtes finalement arrivé dans notre royaume » et elle m'embrassa. Puis elle fit un geste avec sa main. Comme résultat, un homme qui était demi-poisson est apparu. Il était extrêmement beau. Il était le frère de mon épouse. Alors ma femme a dit à son frère, « Aidez mon mari à visiter notre civilisation et toutes les villes, y compris nos infrastructures, nos usines, nos entreprises et nos industries. » Alors nous sommes entrés dans un capsule qui ressemblait à un navire, qui était utilisé comme une voiture dans cette civilisation. Ma femme a dit à son frère, « Montrez-lui notre univers. » Alors l'homme qui était demi-poisson m'a amené visiter les villes du royaume maritime. Nous avons commencé la visite en visitant la famille royale ou le clan dominant. Après avoir voyagé pendant quelques temps, nous sommes arrivés dans une résidence qui était une palais royal. Le service protocole a ouvert le portail pour nous, et nous sommes entrés. Puis j'ai vu le roi de ce royaume, et on m'a dit qu'il avait beaucoup de noms, mais il est communément connu sous le nom Akram Mojes. En fait, dans notre pays, les musiciens aiment se faire appeler par ces noms. Ce souverain du royaume sous-marin est aussi appelé Ben Adam, qui signifie le deuxième Adam. Il s'est approprié du titre de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette entité est roi du clan des sirènes dont ma femme faisait partie, parce que le royaume sous-marin est peuplé par des différents clans de sirènes. Mais ce chef est l'un des plus grands leaders de la dynastie des sirènes dans cette civilisation sous-marin. Dans son château royal, j'ai remarqué que les sirènes de ce clan et les sirènes qui servaient la famille royale avaient des tatouages sur eux. En fait, chaque clan ou chaque royaume de sirènes sous la mer est identifié par leur tatouage spécifique. Puis le frère de ma femme, l'entité hybride à moitié poisson, me dit,
Les tatouages sur nous montrent notre appartenance au clan du Ximédan. Et très bientôt ce tatouage sera populaire sur la Terre et dans votre pays. Dans le monde sous-marin, chaque clan de Sirène avait leur tatouage pour l'identification et la distinction. Mais beaucoup de gens sur Terre mettaient le tatouage des clans de Sirène sans le savoir. Comme s'il était membre d'un clan de Sirène particulier sous la mer. Bien aimé, il y a un esprit de Sirène derrière le tatouage. Si vous avez un tatouage sur vous, l'esprit de la Sirène est dans votre vie. Il va vous influencer et vous contrôler. En fait, dans cette période, il n'y avait pas encore ce type de tatouage sur Terre. J'ai récemment assisté à une séance de délivrance d'une sœur, et pendant le service, le tatouage changeait d'emplacement dans son corps. Après cette visite, nous avons quitté la résidence royale de cette dynastie, puis après nous avons voyagé pour visiter les usines, les industries de la fabrication de plusieurs produits et articles que nous utilisons sur la Terre. D'abord, nous avons dû visiter les dynasties responsables de ces usines et industries. D'abord, nous sommes allés visiter la dynastie Cabello. Le roi de cette dynastie est le souverain de notre clan de Sirène qui est en charge de la production et de la fabrication de produits de maquillage, bijouterie et les vêtements. Bien aimé, je sais qu'il existe des cheveux fabriqués sur Terre, mais il y a aussi des cheveux fabriqués sous la mer. Ces cheveux portent le nom de la famille royale de ce royaume de Sirène. Les Sirènes ont beaucoup de cheveux atteignant même leurs hanches. Et ces cheveux sont coupés et transportés sur la Terre. Je conseillerais donc aux sœurs d'éviter le produit Cabello qui sont produits et fabriqués par la famille royale des Cabello dans le royaume sous-marin. Ce sont des cheveux de sirène transportés à la surface de la Terre. Après cela, nous sommes allés voir la production et la fabrication d'autres produits et articles. L'entité hybride à moitié poisson qui était le frère de ma femme me parla des articles séduisants qui sont exportés sur la Terre comme des cils et des ongles. Ceci était avant que ces produits n'émergent. Ceci était avant que ces produits-là n'émergent. Vous avez compris ça? Vous avez entendu ça? Mes frères et sœurs, les gens pensent que c'est de la blague quand on n'a pas des sirènes et des produits, des sirènes qui se trouvent même parmi nous. Faites attention, mes frères et sœurs. Abonnez-vous, activez la cloche. Préparez-vous pour la prochaine vidéo qui va venir. Ça va être extraordinaire. Et en cliquant sur ce bon, vous pouvez voir ça à la page d'accueil. Vous allez voir Young Sobon 2, Young Sobon 3, Young TV. Abonnez-vous tous sur notre chaîne, nos trois autres chaînes. Et soyez prêts parce que ce qui arrive va vous ouvrir les yeux. Soyez prêts. Bien sûr.